Acte chapitre 16, verset 30. Euh, à partir du verset, on connaît cette histoire à peu près. Hein. Donc, Paul arrive, euh, Paul tâtonne dans acte 16, à partir du verset 7, là-bas. Il était avec ses, 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 ses coéquipiers. Il, a, il avait à cœur d'aller à Amisie, une, une ville, une des villes de l'Empire romain de l'époque. L'esprit de Yeshua lui dit non. Il voulait aller en Asie mineure, donc l'actuelle Turquie. Hein, donc, euh, le Seigneur lui dit non. Et on nous dit pendant la nuit, Paul va avoir une vision et Dieu va lui dire euh, d'aller en Macédoine. Et, euh, et Paul va s'y rendre. Il va rendre, se rendre d'abord à, à Philippe. Et là-bas, bah, il va chasser le démon d'une femme, donc euh, la pitomane. Et ces euh, maîtres, les maîtres de cette femme qui vont voir leurs gains partir en fumée comme ça, vont être en colère contre Paul, ils vont porter plainte contre lui, Paul et Silas vont être arrêtés, emprisonnés. Et au verset euh, 25, on nous dit vers minuit, Paul et Silas parlaient, priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant... Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent rompus. Le geôlier se réveilla et voyant que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée et allait se tuer croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul criait, hein, cria, cria d'une voix forte: "Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici." Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment dans précipitamment dans le cachot et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et il le fit sortir et dit Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent Crois au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé toi et ta famille ou ta maison. Alors c'est quand même un, un, un. il y a un jeu de mots ici. Hein. Paul et Silas vont être appelés Seigneur par cet homme. Vous voyez l'idolâtrie. Donc il était tellement wow, émerveillé, il se dit euh, certainement, ça, ces deux hommes sont vraiment spéciaux, particuliers, alors il les appelle Seigneur. Et Paul, qui était animé par l'Esprit du Seigneur, a compris que, savait qu'il n'y en avait qu'un de Seigneur, véritablement. Et il dit justement, pour être sauvé, tu dois croire, voyez, comment il a orienté cet homme de l'idolâtrie à la révélation de Yeshua. Vous voyez Il dit, mais justement, il y a un seul Seigneur qui s'appelle Yeshua. Voilà. Donc, si tu crois en lui, tu seras sauvé. Toi et ta maison. Toi et ta famille. Alors, sauver ici, bien sûr, veut dire littéralement être euh, délivré de la destruction. Voilà. Être délivré de la destruction. Et euh, alors, vous avez... Plusieurs, bien sûr, destructions. Et il euh, y a la destruction actuelle. C'est-à-dire le plan de l'ennemi. Ça va, ma soeur Tu dors T'es es fatigué faut te lever un peu, là, te barbouiller un peu le visage, ça va te faire du bien. C'est important, il ne faut pas se lever. Tu te lèves tôt, hein Mais Va te mettre un peu de l'eau sur le visage, là, ça va te faire du bien. Voilà, que Dieu te garde, en tout cas. Ou si tu as une bouteille, on te la porte carrément, là, si tu veux. C'est gratuit. Donc. Euh, et euh, parce que c'est bizarre, à chaque fois que quelqu'un s'endort, là, j'ai poussé vers, attiré vers la personne. C'est magnifique hein, ce que le Seigneur fait, là. Voilà, parce qu'il nous aime beaucoup. Et euh, donc, et euh, sauver ici, tu vois, euh, le, le géolier ici, euh, voulait être sauvé de la destruction euh, euh, par rapport à sa famille, par rapport à sa maison. Que faut-il faire pour être... Hein, que Sauvé de la destruction, délivré de la destruction, littéralement. Ce monsieur a posé la, comme question au Seigneur. Parce qu'il pensait à sa propre vie, il pensait à sa famille d'abord. Pourquoi Parce que Satan veut détruire la famille. Voilà. Et euh, donc, euh, être sauvé de, du danger. Être délivré du danger de la destruction. Il y a un danger qui menace les familles. D'accord Donc, euh, sauver, bien sûr, ça vient de Sozo. Donc, délivré du danger de la destruction. Donc, il y a un danger qui guette tout le monde, qui menace. Toutes les familles. Et ça, malheureusement, beaucoup, beaucoup, malheureusement, même des chrétiens ne s'en aperçoivent pas. Donc, ce passage est un passage clé à partir duquel nous allons développer l'enseignement de cette semaine. Voilà. Et euh, ici, on nous présente euh, cet homme. Ce, ce, il était certainement romain. Il était géolier, sa fonction. Et il n'était pas seulement euh, géolier, parce que c'était son métier, mais il, était aussi, il avait aussi une autre fonction, c'était un père. Mais il n'était pas seulement père, mais il était aussi en même temps chef. Il avait des gens sous ses ordres. Et le mot grec traduit par famille signifie aussi maison, et, euh, mais plus maison. Et euh, donc ce monsieur voulait euh, pas seulement sauver sa femme, ses enfants, mais également toutes les personnes qui vivaient sous son toit. Mais le sauver de quoi eh bien, Du danger de la destruction. Voilà. Il y a un danger qui nous guette, qui guette particulièrement la, 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 les familles. Et je vous disais qu'il y a plusieurs types de destruction. Hein. Donc, euh, vous avez une destruction présente, c'est-à-dire présentement, dans le temporel. Hein, la destruction dans le temporel, dans le temps présent, dans le temps humain. Et euh, on a parlé euh, ce dimanche de trois types de temps rapidement. Hein. Et, hein, on a parlé du, du chronos, c'est le temps matériel. Hein. Chrono montre tout ça. Et euh, on a parlé euh, et, euh, de quoi encore Kairos, d'accord ça, c'est juste pour un petit rappel. Chronos. Et c'était des divinités hein, chez les Grecs. Hein D'accord Donc, ça, c'est le temps physique, matériel. Vous avez Kairos, temps opportun. convenable, d'accord Moment opportun, convenable. Et vous avez... Un, deux... Aion. Je veux dire âge et euh, éternité... Dispensation, euh, Second a proposé un mot, siècle. Voilà. Les trois temps, hein, les trois termes grecs utilisés dans les Écritures pour parler du temps. Hein, donc, euh, de Matthieu à Apocalypse. Donc, euh, la destruction concerne justement ces trois temps-là. Voilà. Donc, par, par, par exemple, Chronos, le temps matériel, avec nos montres. Hein matériel. Et euh, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque, chaque année qui passe, eh ben, vous avez des familles dans le monde matérielles qui sont détruites. Au moment où nous parlons, des familles qui sont brisées. Divorce adultère, des enfants qui se suicident, des hommes qui se suicident, qui laissent leurs femmes, leurs enfants, toutes les secondes. Satan détruit des familles, des fiancés qui ont des rapports avant les noces et ça détruit tous les projets. Je parlais encore tout à l'heure dans le bureau avec deux jeunes femmes, c'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard. Parce que globalement, on commence à 19h30. Et, euh, et euh, je parlais avec ses, 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 cette sœur qui est venue avec son enfant, elle me disait, elle s'est fiancée, et son, son ami, son copain, son fiancé, elle l'aimait beaucoup. Et quand elle est tombée enceinte, bien sûr, ils sont dans le péché, elle est tombée enceinte, et puis le monsieur lui dit, non, 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 moi, je ne veux plus, je ne voulais pas de l'enfant, d'un enfant. enfant. Et euh, voilà, pas tout de suite en tout cas. Et puis depuis, bah, c'est fini, l'amour, c'est parti. Il ne l'aime plus. Donc elle est en souffrance avec son enfant de quoi Un an. Vous voyez Donc c'est des situations compliquées. Des cas que je reçois euh, de plus en plus. Même dans le milieu chrétien, soi-disant. Mais c'est grave. Donc ça, c'est que sur le plan familial. Chaque seconde. Donc vous voyez, je vous disais que la destruction ici concerne euh, le temps. Temporel et le temps éternel. Donc il y a une destruction présentement, tous les jours, et une destruction éternelle. On en parlera rapidement. Donc par rapport à Kairos, donc on a vu Chronos, hein, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque année, on entend des histoires hein, tout le temps. On allume les infos, la télé, on, on suit les infos, on entend parler des choses à gauche, à droite. Voilà, une fille comme la fille qui a disparu, cette fille de 12 ans, ça nous fait mal, cette petite française. Et euh, toi, les, les, les parents sont en deuil. C'est horrible pour des parents de perdre un enfant comme ça. Voilà. Une petite fille comme ça, en pleine, euh, pleine santé. Et voyez, ces enfants qui ont. Qui, cette, ce bus qui a été fauché hein, par ce train. Vous voyez, c'est des familles qui sont brisées. Et souvent, les parents n'arrivent pas à supporter ce drame et finissent par s'engueuler, se, 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 ouais, se séparer. Donc, les Nembis n'aiment pas la famille. Ça, beaucoup le savent. Donc, à Kéros, temps, le temps opportun, pareil, il y a des couples aussi qui sont détruits. Au port, euh, euh, Kéros fait partie aussi du temps temporel, vous voyez euh, Temps temporel, euh, temps opportun. On a des cas où euh, des familles, des couples qui... Euh, J'ai vu une vidéo comme ça, une femme qui, euh, euh, le jour de son mariage à la mairie, hein, son époux, lui, on lui pose la question, euh, le maire pose la question, est-ce que tu veux bien accepter ce monsieur comme ton mari Elle a dit non. Vous voyez, ce mariage était organisé au moment opportun, une date arrêtée. Vous voyez, c'est ça le temps opportun. Donc, euh, c'est le moment précis. Il y a, vous voyez, donc on a arrêté quelque chose. Ah eh ben, tiens, tu, tu, tu viens au moment opportun. Donc, c'est le moment où j'ai des besoins. Donc, le moment où on a besoin de se marier, où on, a, euh, on, sera, on sera à la mairie. Et c'est là que eh ben, la femme va dire non. C'est là que le mari va dire non. Et c'est là que la femme va découvrir que son mari, son, son futur mari l'a trompé, et inversement. Vous voyez, c'est tout ça là. Donc l'ennemi, par rapport à ce temps aussi, détruit. Tu prévois quelque chose là, et puis au moment où la chose doit se réaliser, tac, ça ne marche pas. Voilà, quelle déception. Il y en a qui se disent, mais ça fait des années que j'attends ce moment. Je suis passé par toutes sortes d'épreuves pour passer cet examen. Et puis bon, je n'ai pas réussi. Au moment opportun, voilà, ça me file comme ça entre les mains. Et voilà, c'est l'ennemi travail. Et vous avez aussi Ayon. Hein, Aion. Aion, c'est euh, à la fois le temps temporel et éternel. Vous voyez Donc, euh, et par exemple, dans les Écritures, quand vous entendez parler euh, de. Comment dire euh, De termes terme comme. Euh, de mots comme siècle. Au siècle des siècles. D'âge en âge. Vous voyez Ça, c'est Aïon. Vous voyez Et euh, donc, Aïon. Nous parle du temps à la fois éternel, l'éternité passée, le temps présent, physique, matériel. C'est aussi Ayon. Hein. Par exemple, quand on parle de temps de nation aussi, tout ça, et, euh, on peut utiliser aussi Ayon. Il y a aussi l ét, l ét, euh, le temps à venir, l'éternité future, toujours Ayon. Donc ça veut dire que Satan peut aussi te détruire pour l'éternité. Il y a des gens qui vont connaître une destruction éternelle. Regardons. Nous allons prendre un euh, Thessalonicien, chapitre 1, je crois. Un hein, Thessalonicien. Euh, Seigneur, merci pour ta parole. Chapitre 1. Et... Euh Voilà, salut, salut, c'est ça Est-ce que quelqu'un peut nous lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 10 On va pas te passer le micro, comme les gens sont chez, chez eux, là, on va réagir assez vite, à enfin, chaque fois là c est, c est, on ne peut pas dormir. Là. Car notre évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Ok, et le verset 10, on va aller plus rapidement. Et pour attendre, pour attendre des cieux, des cieux, son fils Jésus, qu'il a ressuscité des morts et qu'il nous délivre de la colère à venir. Qui nous délivre de la colère à, à, venir. à venir. Donc, ici, les questions question d'abord de cette coupe, cette coupe de la colère de Dieu. Mais il y a un autre passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, pardon, verset 9. Verset 9. Ils auront pour châtiment une destruction éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et ça c'est terrible. Ils auront pour châtiment, c'est-à-dire les impies, ceux et celles que Satan euh, va recevoir à détruire, hein, va réussir pardon, à détruire, auront une destruction éternelle. C'est-à-dire pendant l'éternité, ils seront détruits en permanence. En, enfin, en permanence détruits. Donc une destruction qui ne se termine jamais. Sozo, c'est-à-dire signifie être délivré du danger de la destruction. Donc il est question de la destruction présente le, et de celle à venir. C'est-à-dire la destruction éternelle. Ça s'appelle quoi Ça s'appelle le lac de feu, la seconde mort. C'est le châtiment éternel. Vous vous rendez compte Donc le mot salut. Quand, on, quand vous entendez parler du salut, 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 Dieu nous a sauvés aussi de cette destruction-là. C'est terrible. C'est-à-dire les gens pensent que les témoins de Jéhovah vont dire, comme beaucoup d'autres sectes, vont dire, ouais, vous savez, les gens ne vont pas souffrir éternellement, c'est faux. En fait, le lac de feu, c'est une destruction en permanence et sans fin. Donc imaginez une destruction spirituelle, morale, physique. Pendant l'éternité. Voilà pourquoi le géolien pose la question au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être libéré de ces deux destructions En gros, présentement, pour ne pas se retrouver dans le chaos. Le chaos. Et dans le monde à venir, dans l'au-delà, se retrouver également dans ce chaos éternel. Qu'est-ce qu'il faut faire Et Paul lui dit justement, crois au Seigneur et au choix. Je vous disais tout à l'heure que ce monsieur, quand il a vu comment Paul et Silas étaient libérés par le Seigneur, il ne le connaissait pas bien sûr, ce n'est pas le Seigneur. Et pour lui, c'était Paul et Silas qui étaient certainement des magiciens. Et il se dit, mais ils sont Seigneurs alors, comme beaucoup de gens qui nous prennent pour des dieux. Au lieu d'aller vers le véritable Dieu, ils vont s'arrêter sur nous. Ils vont vouloir plus le, le, se sanctifier quand ils sont devant nous, plutôt que devant le Seigneur. Vous voyez, et ça c'est grave. Et Paul dit justement il y a un Seigneur ou le Seigneur. Eh bien, il faut croire en lui. Ici, croire, c'est mettre sa confiance en lui. Placer sa confiance en lui. Parce que cet homme avait placé sa confiance en Paul. Ils s'étaient appuyés sur Paul et Silas. Ils ont dit, non, 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 nous ne sommes pas des seigneurs. Non, non, non. Littéralement, confie-toi au Seigneur Yeshua. Place ta confiance en lui. Et je me répète encore, souvent les frères et sœurs ont tendance à venir nous voir pour nous raconter, nous raconter leurs problèmes. Et vous savez comment ça peut nous... Honnêtement, c'est fatigant. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'encourager les uns les autres. Ça, c'est juste une parenthèse. Ils nous prennent pour des dieux. Et souvent, je leur dis, mais nous, quand on a des problèmes, à qui parlons-nous Je ne dis pas qu'on ne doit pas demander de l'aide à la prière. À nos... On demande, on demande oui, prions les uns pour les autres. Il n'y a pas de souci. Mais de là à se dire, je dois absolument aller voir telle personne pour lui exposer mes problèmes, ce n'est pas ce que Dieu veut, d'abord. Et c'est pour cela que beaucoup en profitent. Donc beaucoup ne seront pas libérés, délivrés du danger de la destruction parce qu'ils ne placent pas la confiance en Dieu. Donc pour qu'une famille soit délivrée, pour qu'une famille soit délivrée. L'exemple que Dieu vient de me donner là, là, merci Saint-Esprit, c'est la destruction par les eaux du déluge. Vous voyez Dieu a vu que la terre était corrompue. Dieu a vu que les hommes ne pensaient qu'au mal. Il se repentit de les avoir créés. Et il va dire, désormais, ben, je vais, n'est-ce pas, retirer mon esprit de l'homme, qui ne va plus contester avec lui pour le convaincre du péché. C'est ça, littéralement. Et il dit à Noé, construis-toi, construis-moi une, une arche. Et Noé, c'est ce qu'il va faire. Noé n'avait jamais, 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 je dis bien, jamais vu la pluie. Avant que Dieu n'appelle Noé, il n'avait jamais plu. Quand Dieu voulait, voulait arroser, en fait, il y avait une vapeur qui sortait de la terre pour arroser les plantes. Les... Voyez, donc il n'avait jamais plu. C'est avec Noé que la pluie a commencé à tomber du ciel. Mais quand Dieu lui dit qu'il va pleuvoir, que de l'eau tombera du ciel, alors que Noé n'avait aucun exemple sur lequel s'appuyer pour pouvoir faire confiance à Dieu, il a eu confiance. En Dieu, il s'est confié en lui. Il a cru en cette parole avant d'avoir vu. Quand Paul dit dans deux Corinthiens que nous ne marchons pas par la vue mais par la foi, il s'appuie également sur l'histoire de Noé, qui n'avait jamais vu la pluie, mais parce que Dieu lui a dit, parce que Dieu lui a parlé, il a cru. On n'a jamais vu l'enlèvement, mais comme, comme Dieu a parlé et comme Dieu ne ment pas, nous croyons qu'il y aura l'enlèvement. Donc voyez, c'est ça la foi, c'est cela mettre sa confiance en Dieu. Alors les raisonneurs de ce siècle viennent et nous disent nous voulons d'abord voir avant de croire. Eh bien vous irez en enfer. Continuez comme ça. Voilà. Hier je disais aux frères de la part du Seigneur, parce que je parlais avec un monsieur, pardon, qui devait me voir au bureau après le programme. Il me disait Mais oui, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il y a le monde spirituel? Le Seigneur me pousse à lui poser une question, à savoir le Seigneur m'a parlé de, de, de tachyons. Vous voyez les tachyons, les particules là qui vont plus vite que la lumière de la vitesse très très vite. Et ces action là traverse, nous traverse en permanence. Vous voyez Tout le temps, nous sommes bombardés par cette action. Ça va très très vite. Je dis, mais ils sont invisibles, mais pourtant, ça existe. Je dis, bon, on ne va pas parler de tachyons, parlons des microbes, simplement, c'est plus simple. Il dit oui, 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 vous avez raison, effectivement. Ben oui, Dieu, c'est pareil. Il est invisible. Ce n'est pas parce qu'on ne le qu voit pas qu'il n'existe pas. Voilà. Et euh, Noé a eu confiance en Dieu. Et quelle a été la conséquence de sa foi en Dieu Eh bien, le salut la délivrance du danger de la destruction de sa famille. Sa famille a été délivrée du danger de la destruction. Épargnée des eaux du déluge. Il a été sauvé, sa femme sauvée, ses trois fils sauvés et ses trois belles-filles sauvées. Choisissez les gens avec lesquels vous voulez vous marier. Parce que votre salut en dépend. Les trois belles filles de Noé ont épousé des hommes bien formés et ça les a amenés au salut. Je dis toujours à mes trois fils il faut choisir les femmes avec lesquelles vous voulez vous marier. Une femme qui veut t'amener à l'impudicité avant le mariage, non. Vous savez, nous sommes dans une génération, excusez-moi, hein, ce que je vais vous dire, ça peut vous choquer, mais des cochons, des porcs. Il n'y a plus de valeur. Tout est renversé. Tout est détruit. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Des jeunes filles se marient après avoir connu 100, 200 hommes, 300. Les hommes pareils. Qu'est-ce que vous voulez que ces familles soient stables? voyez? C'est pour ça que quand on voit dans les églises, c'est destruction, de, destruction, destruction impulsité sur destruction, impudicité sur impudicité, adultère, masturbation. C'est la cacophonie, c'est la confusion des familles qui sont brisées. Regardez bien. Le danger! C'est le péché. Le péché amène la destruction. Parce que Dieu dit celui qui pêche mourra. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré du danger de la destruction Eh bien, le Seigneur dit, il faut placer ta confiance en Dieu. Or, c'est difficile pour un homme, pour un être humain, de mettre sa confiance en Dieu. Parce que nous avons tellement de choses dans le crâne. On nous a habitués à voir, à entendre avant de pouvoir croire. Il faut que je vois, il faut que j'entende, il faut que je palpe, il faut que je touche. Nous sommes dans une génération de... Vous savez, tout le monde est tactile, c'est notre génération. Voilà. Donc, euh, il faut que je te touche, il faut que je, je, je vois. Que... Et, et, et c'est pour cela que beaucoup sont détruits, beaucoup d'églises sont détruites, beaucoup de foyers, des pasteurs qui sont détruits. La dernière fois, je parlais avec euh, un monsieur, un, frère, un homme que je connais, il me dit, bah, tu sais, tel pasteur, la Congolais, qui est très connu, qui est très suivi sur Facebook. Tout ça là, euh, et ben pas, il, il me dit « Mais je travaille avec sa maîtresse. » Je lui dis « Comment ça ?» Je lui dis ben « J'aimerais bien lui parler. » ben, il, il me l'a passé. Je parlais longuement avec une heure avec elle au téléphone. Elle m'a raconté comment cet homme qui prêche sur la sanctification avec force lui dit « Depuis que je t'ai vu, j'ai du mal à me passer de toi. » Et j'ai prié le Seigneur alors qu'il est marié depuis des, 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 des années. J'ai prié, disait-il, à cette femme, et Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Vous voyez? Nous sommes dans une génération tellement où il y, y a tellement de chrétiens aveuglés, il y a tellement le bazar. Pour ne pas utiliser des de gros mots ici. Voilà, donc euh, voilà. Euh, c est, c est que les gens, c est, c est, c est, c est, quand tu parles de la sanctification... Pour être protégé de, 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 de tous ces dangers, tous ces dangers eh bien, il, les gens, ils, ils te font la guerre. Les gens sont détruits. Satan, nous dit Jésus, ne vient que pour voler, égorger et détruire. N'est-ce pas Regardez. Vous savez que le mot démon, là, démon, il y a un terme hébreu utilisé dans Psaume 106 je crois le verset 37, pour parler des de, de, de démons, où il est, il est question de, de euh, le psalmiste le disait, ils ont sacrifié leurs enfants aux démons. Vous savez, la racine de ce mot démon là, veut dire ruiner, détruire. Le démon, le démon quand il vient, c'est pour détruire. Vous voyez Dieu construit, Satan lui vient détruire. Et ce qui détruit sur le péché. Et c'est pour cela que justement Satan a réussi, a réussi à faire croire à tout le monde, aux églises, que Dieu est tellement amour. Que, que, que bah, c'est la super grâce. C est, il y a tellement d'amour qu'on que, bah, peut pécher volontairement, on peut faire ce que l'on veut, parce que son sang va quand même vous nettoyer, c'est grave. Dieu est amour, oui, il est juste. Aussi. Noé croit au Seigneur, et par sa foi, qu'est-ce qu'il a fait Il a cru, mais la foi, Paul dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc qu'est-ce qui s'est passé Noé a été non seulement quand il a cru en Dieu, eh bien, il a vécu les œuvres de la foi. Il a manifesté les œuvres de la foi. C'est-à-dire, il était un bon père pour ses enfants, un époux correct pour sa femme. Et quand ses enfants l'observaient, ils voyaient un homme intègre. Ils voyaient un père, n'est-ce pas, aimant. Ils voyaient un père modèle. Noé a prêché à ses enfants l'Évangile par sa vie. Et c'est pour cela que ses enfants se sont convertis. Et Noé a prêché l'évangile à sa femme par sa vie. C'est pour cela que sa femme s'est convertie. Parce que pour qu'il l'aide à construire l'arche, pour qu'il soit dans l'arche avec lui, alors qu'il n'avait jamais plu, c'est qu'ils se sont dit, notre papa, les enfants, notre papa ne nous a jamais menti. Donc s'il nous dit que Dieu lui a parlé, ce que c'est vrai. S'ils ont cru que la pluie allait tomber du ciel, alors qu'ils n'avaient jamais vu, vu la pluie tomber du ciel, de l'eau notamment, donc c'est que Noé n'avait jamais menti à ses enfants. Mais un, une mère qui ne cesse de mentir à ses enfants, un père qui ne cesse de mentir à ses, à ses, ses, ses fils, hein, à ses, comme le jour où il dira, voilà ce que Dieu m'a dit, les enfants vont dire, papa a toujours été comme ça, c'est un menteur. Je parlais avec, euh, tout à l'heure, au bureau, toujours, j'ai reçu quelques personnes, une jeune fille de 18 ans qui est tout le temps, qui tout le temps dehors, qui, qui, qui revend de la drogue, tout ça. Et je me dis, mais attends, mais pourquoi tu fais ça quand même Tu gaspilles, ta, tu détruis ta vie, tu détruis ta vie. Tu n'as même pas eu ton bac, tout ça, là. Mais, hein, il faut écouter ta maman. Elle me dit, mais maman qui est là, maman sait. Parce que je voulais la voir avec sa mère. Maman sait pourquoi je suis tout le temps dehors, pourquoi je peux, je peux rester 4 jours, 5 jours à, euh, à, 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 à l'extérieur, en dehors de la maison, avec des amis, en boîte de nuit, ici et là. Maman sait. C'est à cause de mon beau-père. Qui crie sur tout le monde, qui nous insulte. Et elle dit Mon frère qui a 14 ans, le fils, son fils, le fils de son beau-père, donc son demi-frère, pousse parfois son père, son père parce que son père lui parle mal, l'insulte. Et ce jeune homme, cet enfant de 14 ans, est armé et, et, et jusqu'aux dents, il tout le temps dans les au, au commissariat, tout ça convoqué, tout ça. Et Pourquoi Parce que son père lui parle mal, la gueule, il n'y a pas de dialogue. Comment voulez-vous que des familles soient sauvées une mère qui ment, une mère qui n'est pas responsable. Écoutez, je veux vous dire des choses simples. Les gens pensent que pour être sauvé, là, sauver la fa sa famille, il hein, faut aller prendre des versets et balancer ça, tout va à ses enfants, tout ça. Non Tu es un homme, tu demandes service à un frère pour son véhicule, tu es chrétien, tu ne lui donnes pas de l'argent pour l'essence, tu es un profiteur. Comment veux-tu? En étant comme ça, tu es en train d'éduquer tes enfants à fonctionner comme ça. Donc, ça s'appelle du vol. Et beaucoup font ça. Je me rappelle une fois, une sœur française m'a dit Frère, je suis fatigué. Parce qu'on allait souvent en mission avec elle, avec des frères et sœurs. Elle dit À chaque fois, que je prends mon véhicule, des frères qui prient avec nous viennent avec moi, profitent pour monter avec moi, pour aller à Bruxelles, pour aller en province, en mission. Mais aucun ne participe à l'essence. Aucun ne participe au péage. Elle dit, je ne veux plus les prendre. Ce sont, de, ce sont des profiteurs. Être chrétien, ce n'est pas se comporter comme ça. Voilà. C'est des choses simples. La foi, ce n'est pas comme ça. Et je peux vous assurer que la liste est longue. Des comportements des chrétiens, mais c'est mais mais alarmant parfois. Je, je, je regarde, je me dis, mais beaucoup là, ils ne sont pas convertis. Mais Seigneur, ils ont la parole, ils connaissent des versets. Mais oui, mais ils ne sont pas convertis. La foi sans les œuvres, elle est morte. Une autre sœur française qui prie avec nous, elle est partie. Je Demandait à savoir pourquoi elle était partie. Elle me dit, mais voilà, ce, ce, ce frère qui devait faire des travaux chez moi, je lui ai donné l'argent et elle n'a pas fait les travaux correctement. Quel témoignage Voilà. Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup d'enfants des chrétiens, là, ils sont impolis. Excusez-moi, mais on va parler. Sauver sa famille du danger. Ce n'est pas seulement en versant de. Il y, y a des gens qui pensent qu'il faut absolument aller prier des heures et des heures pour que la famille soit sauvée. Le témoignage. Le témoignage. Vous savez, les Écritures nous disent qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Yeshua et à cause de la parole de leur témoignage. Les Écritures nous disent également dans la Prophétie 19, 10, que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Il y a une sœur qui vit en Suisse. Qui vivait en Suisse avec son mari suisse. Elle est camerounaise. Ils sont rentrés tous les deux au pays. Et j'entendais je, la dernière fois, euh, ce frère, un frère me dire que cette sœur, elle est déçue des de, de certains frères là-bas. Hein, elle leur a donné beaucoup d'argent pour faire des travaux dans sa maison, mais les frères ont pris l'argent, mais ils n'ont pas fait les travaux correctement. Ils ont acheté des fils électriques euh, complètement, euh, mes amis, euh, enfin, des, des fils euh, qui n'étaient pas du tout solides. Et vous euh, voyez, c est, c est, c est, ces frères-là, on les connaît, et ils aiment les verser. C'est pour cela, honnêtement, là, moi quand je vois des gens sur WhatsApp envoyer des messages, oh voilà mes frères, le message que Dieu m'a donné. Je dis, arrêtez d'être religieux avant de vouloir évangéliser les autres, changez d'abord vous-même. Il faut arrêter la religion. Il y a trop de religiosité, trop d'hypocrites. Vous pouvez être capable, près d'engendrer de faire des enfants parce que biologiquement vous en êtes capable, vous avez l'âge, et ne pas être prêt à les éduquer parce que vous n'êtes pas éduqué vous-même. Je suis vous désolé. Ce que je vous prêche, ce que je vis, moi, Dieu nous fait grâce, mon épouse et moi, que le Seigneur soit béni. On a trois enfants. L'aîné a 18 ans, s'il doit sortir, il demande la permission. On n'a jamais levé la main sur eux comme certains chrétiens qui vont battre leur, leurs enfants en se servant des versets bibliques qu'ils qui traduisent, s'interprètent mal. Et ensuite, on va les arrêter. Ils vont dire, c'est l'enseignement que Shorah nous donne. Voilà. On a toujours dialogué avec, essayé de les comprendre, connaître leur avis. Et quand ils ont raison, on leur dit, vous avez raison. Et quand ils commettent quelque chose, de, ils font quelque chose de mal, ils viennent confesser naturellement sans... Eux-mêmes. Voilà. Et les trois sont dans le, dans le Seigneur, convertis. Gloire à Dieu. Et les trois, je leur dit vous allez vous marier vierge. Vous allez le crier. Les trois, trois. savent faire à manger. La vaisselle. Donc, honnêtement, Comment sait-on que vous, en tant que parents, vous avez réussi C'est en voyant vos, vos, vos fruits. Car on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà. Donc, si vos enfants sont impolis, si vos enfants sont à gauche à droite, ce que vous avez, il y a quelque chose que vous avez raté. Voilà. Il faut peut-être s'asseoir et se dire bon, où est-ce que j'ai raté quelque chose là Et, et, et n'allez pas menacer vos enfants pour qu'ils se convertissent. N'allez pas, pas du tout. Les enfants observent beaucoup les parents. Je disais, je disais même au pasteur que j'ai formé hier avec lequel on collaborait, maintenant je leur ai dit je ne vous en veux pas, mais je suis un homme seul, parce que je ne veux pas de compromission. Je lui ai dit à un pasteur un jour qui est avec nous, que j'ai formé, que je lui ai dit, tu es autonome. Tes enfants tous ne sont pas dans le Seigneur. Ta vie, ton couple, ça ne va pas. La femme est partie. Tu veux continuer à prêcher? Je lui ai dit, tu dois t'asseoir, il s'est assis, quelques jours. L'Assemblée elle-même lui a dit, tu dois te mettre debout et te relever commencer à travailler. Je lui dis, comme vous êtes autonome, vous êtes libre. Mais moi là, ne dites pas aux gens qu'on est ensemble. Paul dit que si quelqu'un veut être ancien, il doit avoir des enfants qui soient soumis, obéissants. Des enfants qui manquent du respect aux policiers, qui insultent les gendarmes, des enfants qui vont fumer la drogue, qui vont se masturber à gauche à droite, et vous, vous allez devant l'Assemblée pour annoncer la parole. Quel est votre témoignage Votre famille, quel est le témoignage de la famille Jamais vous savez, pour que les enfants soient touchés, soit... il n'y a pas besoin d'aller leur... leur dire ben, tous les jours on va avoir tant de prières, méditer. Non, le comportement. Des hommes et des femmes modèles, des parents modèles, vivant les choses qu'ils enseignent. On a nos défauts, mais les enfants, quand ils voient qu'on on, on se bat pour plaire au Seigneur, on est là à l'écoute, qu'on ne les menace pas, qu'on ne, les, on les, on, on, on ne lève pas la main sur eux. Je parlais avec une sœur la dernière fois, chrétienne. Hein, elle me dit Moi, je n'arrive pas à parler à mes, mes enfants. Je ne fais que crier, lever la main sur et je dis voilà. Comment vous, co voilà les enfants de 9 ans, ils sont têtus, ils sont ben voilà parce que ces enfants-là, ben vous les avez détruits. C'est là où il y, y a le problème et euh, le dialogue. Noé, je dis bien, la foi que Noé avait en Dieu a produit les œuvres dans la vie de ses enfants, la conversion de ses enfants. Beaucoup seront disqualifiés quand le Seigneur va revenir, il va leur dire non mais vous, je ne vous connais pas, Seigneur, mais j'ai passé mon temps à envoyer des messages sur WhatsApp pour, à, pour encourager les frères et amis, ton comportement à toi. c'est comme moi. Les Écritures nous disent, instruis l'enfant à l'entrée de sa voix. Et quand il sera devenu vieux, il ne s'en détournera point. C'est écrit, c'est moi qui le dis. C'est écrit. Mais il y a tellement de ratages dans nos familles, tellement de ratages. Tellement de ratés. La foi de Noé. Vous vous imaginez un père qui va voir ses enfants et sa femme et qui leur dit, mais... On va construire une arche parce que Dieu me dit que la pluie va tomber du ciel, mais on n'a jamais vu ça. Mais comme tout ce que tu nous as dit depuis qu'on te connaît, depuis que tu es tu, 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 depuis que nous sommes nés, depuis que tu m'as épousé, hein, certainement sa femme qui voulait parler ainsi, eh ben tu as toujours été dans, dans le vrai. Donc la foi, la confiance. Ils ont travaillé avec leur père. Ils ont bossé. Regardez dans les Écritures. Il y avait un prophète du nom de Samuel. Vous vous rappelez, non Le prophète Samuel. Ses enfants étaient. La Bible dit que ses enfants étaient fils, littéralement, hein, fils de Bélial. C'est ce que nous avons traduit dans la BGC fils de Bélial. Parce que Bélial, c'est Satan. Pourtant, ils avaient un père, Samuel. Hein, mais les Écritures nous disent que leur père était Bélial, le diable. D'autres versions traduisent par les pervers. Vaurien, ça veut dire ça, mais il faut mettre Béla parce que c'est un nom propre. Fils de Satan. Ils avaient un père, ils avaient une mère, mais ils avaient un autre père qui les éduquait. C'est le diable. Qui éduque tes enfants Caïn avait un père, Adam, une mère, Ève. On nous dit dans 1 Jean 3, 12, qu'il était du malin. Alors, quand j'ai regardé la vie de Samuel, comment ses enfants étaient pervers comme ça, fils de Bélial, je me suis dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Et j'ai compris qu'en fait, on ne donne que ce que l'on a. Celui qui l'a formé, le prêtre Élie, avait aussi des enfants pervers, fils de Bélial. Donc les enfants du prophète Samuel étaient pervers, couchant avec des femmes, prenant la. Il faisait n'importe quoi, le désordre total. Et celui qui l'a formé, le prêtre Élie, avait aussi des fils de Bélial. Donc Samuel a vu comment le prêtre Élie éduquait ses enfants. Et d'ailleurs, si Dieu a fait mourir le prêtre Élie, c'est à cause de ses enfants. Parce qu'il lui a dit. Tes enfants font n'importe quoi, couchent avec des femmes, hein, prennent les, les offrandes qui me sont destinées, et ben, tu ne leur dis rien, tout ça. Et euh, l'arche a été prise hein, par les Philistins, et ben, Dieu a frappé cet homme. Et Samuel était enfant. À peine que sa mère l'a sevré, que Samuel, que Elie l'a récupéré. Il a commencé à, 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 à le former. En fait, son, son vrai père, biologique, c'était Elkanah, bien sûr, mais son père, qui qui son, son éducateur, c'était le prêtre Élie. Et Élie n'était pas un bon père. Vous vous rendez compte Prêtre, prédicateur, enseignant de la parole, mais pas un bon père. Et les enfants étaient éduqués par un démon, Bélial, Satan lui-même en personne. C'est terrible. Alors, nos églises sont remplies de fils de Bélial. Ils ont des versets bibliques elles ont des versets bibliques ces femmes, elles peuvent exhorter elles peuvent se prêcher. Mais elles ont été éduquées autrement. Et quand on regarde leur progéniture, tout ça là, leur semence, leur descendance, eh ben c'est pareil. Et Noé était un homme intègre, un homme que Dieu a aidé. Il a su être un bon père de famille. Il a su, c'était un homme de foi. Il vivait ce qu'il prêchait, il prêchait ce qu'il qu vivait. Et. Par son moyen, Dieu va sauver sa femme, ses enfants. Et par l'intermédiaire de ses enfants, Dieu va sauver ses trois femmes. Vous vous rendez compte Alors, beaucoup de gens disent Oui, mais le Seigneur a dit que si je crois en lui, je serai sauvé moi et ma maison, tout ça. Mais en fait, ils se limitent à ça. Ce... Ils ne vont pas plus loin que ça. Ils n'ont pas compris que pour que nos familles soient sauvées, notamment nos maisons, on parle d'abord des maisons, pas d'abord cousins, tout ça, d'abord nos maisons ceux qui vivent chez nous, aussi bien nos enfants que ceux qui travaillent pour nous, avec nous, chez nous. Eh bien, il faut qu'ils voient comment nous vivons. Il faut qu'ils voient notre manière de nous comporter. Et en observant, ils vont se dire, eh bien, ça c'est un modèle que je dois imiter, qu'on doit imiter. Et c'est comme ça que quand ils vont voir la manière dont nous vivons, les fruits que nous portons, ils vont vouloir les manger. Et quand on va leur apporter la parole, en leur disant que ben, si nous sommes comme ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a transformés, et son nom s'appelle Jésus-Christ, ils vont se dire ben, on veut ce Jésus-là justement pour être comme toi. voyez Mais s'ils voient ton comportement qui n'est pas approprié, ils vont se dire ben, si c'est comme ça Jésus, il y a des hommes qui disent hein, à leurs femmes, qui prient eh ben, si c'est comme ça ton Dieu, si c'est comme ça que vous, vous enseigne dans votre église, eh ben, moi là, je n'en veux pas de ce Dieu-là. Je n'irai pas non plus là-bas. C'est pour ça que Pierre dit dans 1 Pierre 3. Que les femmes dont les maris sont rebelles à la parole de Dieu, si elles n'arrivent pas à les gagner par la parole, elles peuvent les gagner par leur comportement. Et c'est là que ça coince, le comportement. Un jour, un frère est venu me chercher à l'aéroport. On rentre, tout ça là, arrive, je donne 20 euros pour l'essence. Il dit non, 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 non. Être chrétien, c'est. Il y a la communion. Tu me donnes, je te donne. Mais si moi, je ne fais que prendre, prendre, je deviens voleur, exploiteur. Et les gens qui voient ça, ils vont se dire, si c'est ça, être chrétien, eh bien, nous, on n'en veut pas. C'est terrible. Pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas se convertir C'est à cause de nous. La Bible dit dans 1 Pierre, dans Romains 2, le nom de Dieu est blasphémé parmi les inconvertis, parmi les nations, à cause de nous. Trop de scandales. Chez les juifs, quand les gens se mariaient, là, mes amis, la femme devait prouver le jour des noces le signe de sa virginité. Oh, que ces femmes étaient protégées. Et aujourd'hui. C'est grave. Que Dieu nous aide. Imaginez une mère qui va dire à ses filles, mais moi avant de marier votre avant d'être épousée par votre père, j'ai connu 10 hommes, 14, 20. » À moins que Dieu le fasse grâce pour que les enfants soient vraiment touchés. Mais une mère qui va dire Moi je me suis marié vierge, hein? je me suis gardé jusqu'au mariage, c'est possible, mes filles. Un père qui parle comme ça, bon, mais ne, vous soyez, pas, ne soyez pas condamnés. Si <laughs> Dieu peut nous rattraper, hein? si on est converti, ben, le Seigneur peut nous rattraper, il peut nous donner, même si on a perdu notre virginité dans le monde, ben, si on est chrétien, ben, on doit se comporter d'une manière à ce que les enfants soient touchés quand même. C'est possible. Mais ceux qui sont vierges, on leur dit de garder leur vie jusqu'au mariage. C'est possible. Voilà. C'est possible. Et vous savez, il y a des familles, même en France, des familles françaises qui ne sont pas forcément chrétiennes, hein, athées, dont les enfants se conservent jusqu'au mariage. Voilà. Qui ont des valeurs encore. Voilà. Aujourd'hui, à 12 ans, les gens commencent à connaître le sexe. À 11 ans, à 10 ans, on leur dit Vous êtes prêts pour le mariage Non, on n'est pas prêts. Mais pourquoi vous allez ensemble alors hein si vous n'êtes pas prêt pour conduire un véhicule, tout ça, là, vous n'êtes pas là, pourquoi vouloir passer le permis? Hum On dit mais ouais, non, mais il faut quand même que les gens faut mais voilà. C'est ça notre génération. Sauver sa famille par le comportement, par l'exemplarité. C'est ça le message de ce soir. La foi. La foi. Quand je dis aux gens, mon épouse et moi, depuis qu'elle s'est convertie, depuis 19 ans, on ne s'est jamais disputé, on n'a jamais passé une nuit dans la colère. Ils disent Mais comment tu fais Dieu nous fait grâce. Chacun doit connaître sa place dans le foyer, dans le couple. Qu'est-ce que vous voulez que vos filles, vos fils se convertissent s'ils voient que vous avez, excusez-moi, euh, couché à gauche, à droite, euh, tout ça, là, mais vous êtes chrétien, ils vont dire, mais vous allez me dire, mais ils ne nous voient pas. Attendez, le péché a une odeur. Voilà, c'est spirituellement qu'on en juge. Tu te caches, mais sur le plan spirituel, tu détruis les esprits de tes enfants, de ta famille. Et là, Paul parle à cet homme, cet homme qui était le, le chef de famille, hein, l'homme. Et il pose la question, une bonne question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré, justement Parce qu'il était conscient du danger. C'était le chef. Nous sommes dans une génération où beaucoup de chefs, beaucoup d'hommes beaucoup ont démissionné. Démissionné. Vous savez, le chef n'est pas celui qui crie. Hein le chef n'est pas celui qui donne des, des ordres. Faites, faites ça. Le chef, selon Dieu, est celui qui dit "Ben voilà, je, voilà ce que j'ai fait. Ben faites comme moi." Voilà. Il y a quelqu'un qui n'a pas été un bon, bon une c'est-à-dire qu'il a, qu a, qu a raté un peu sa mission de chef de famille, c'était Lot. Il était juste, c'est vrai, mais euh, sa femme n'a pas été sauvée. Ouais. Parce que quand il aurait fallu choisir, quand Abraham lui a dit Choisis, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche, lui, il a vu le monde. Mais Abraham a vu les choses célestes. L'autre était charnel. Il est allé s'asseoir dans Sodome et Gomorre, habitant là-bas. On nous dit que les habitants, tout de suite, on nous dit que les habitants de Sodome étaient des grands pécheurs devant Yahweh. Et c'est là qu'il a choisi. Voilà pourquoi il a perdu sa femme. Voilà. En tant que chrétien, quel est le comportement de ta fille, de ton fils de ton épouse, de ton époux. Chacun de nous nous se des questions. On a fait des églises à la gauche, à droite. On a été partout. On nous a parlé des miracles, guérisons, tout ça. C'est bien ce séminaire. Formation biblique ici et là. Alors, c'est quoi le résultat Si tu entends ta fille te dire, maman, toi qui pries aussi, tu parles comme ça, Parce que là, ça commence à, à craindre. là. Vous savez, on va finir encore, dans on a 10 minutes encore. Nous sommes dans les Écritures toujours. Donc il faut placer sa confiance au Seigneur, bien sûr. Nous sommes dans Psaume 127, le verset 3. Quelqu'un qui a le micro peut nous faire la lecture, si c'est possible. Voici les enfants sont un héritage donné par Yahweh et le fruit, le fruit du ventre est une récompense de Dieu. Telles sont les flèches dans la main d'un homme puissant, tels sont les fils de la jeunesse. Wow, Be voyez. Béni est l'homme qui, qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas honteux car ils parleront avec leurs ennemis à la porte. Voilà, voici les enfants. Voici, les enfants sont un héritage donné par Yahweh, et le fruit du ventre est une récompense de Dieu. Waouh Donc Noé a été récompensé par le Seigneur. Le Seigneur avait vu son cœur. Hein. Il, était, il était un homme juste et intègre en son temps, en son âge. On vous a dit que c'est écrit hein, dans Genèse, hein, Genèse 6, hein, que Noé était un homme intègre en son temps. C'est ça, non Or, temps ici. Temps, dans Genèse 6, là-bas, signifie âge. Je vous ai dit que Satan détruit hein, des foyers, aussi bien dans le, dans le temporel que dans l'éternité à venir, le lac de feu. Il y a des gens qui seront détruits éternellement, malheureusement, parce qu'ils ont plus écouté le diable que Dieu. Et, au temps de Noé, ben, cet homme était. Noé a veillé à ce que Satan ne le détruise pas durant son temps, durant son séjour terrestre, durant sa mission de père, d'époux. Noé a veillé. Qu'est-ce qu'il a fait ben, il, a été, il était intègre. Donc il faut rester intègre. Il faut se battre avec le Seigneur, avec la grâce que le Seigneur nous donne pour rester intègre malgré les, la pression. Noé était un homme, était un homme juste. L'intégrité, c'est quoi C'est être entier. voyez être entier. Pas être faux. Être soi-même, aussi bien devant les hommes que devant Dieu. Et pas jouer un rôle. Donc, il y a une portion de temps que Dieu a, hein, a, a, a départie à hein, chacun de nous. Et pendant cette portion-là, pendant si, on en a parlé la dernière fois, à quelqu'un, Dieu va lui dire, par exemple, eh ben, tu as, euh, il ne va pas le dire comme ça, mais quoi qu'il certaines personnes, il peuvent le dire. Euh, Dieu peut dire à, 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 à une femme, par exemple, bon, ben, celle-là, pour une femme, Dieu va lui dire, ben, elle va vivre sur terre pendant 80 ans. Donc, imagine, la femme va se marier à l'âge de 25 ans, juste un exemple. Eh ben durant, par exemple, euh, 55 ans, ce temps-là qui lui est hein, imparti, cette femme doit veiller à, 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 à ce qu'elle soit hein, pure. Intègre et euh, voilà. Durant tout ce temps-là, parce que Satan hein, va se servir de ce temps-là pour la détruire, pour détruire son foyer. Regardez comment, regardez le, le nombre de femmes qui ou de, des hommes qui poussent leurs copines, leurs femmes à avorter. Vous avez vu la destruction, c'est terrible. Vous avez vu ces images des femmes hein, enceintes de six mois qui, sont, qui partent aux Pays-Bas, qui se font arracher les enfants, même pas membres. Malheureusement, parce que beaucoup sont égoïstes. C'est qu'elles ne sont pas prêtes, euh, qu'ils ne sont pas prêts pour avoir des enfants. Je suis désolé, mais nous sommes dans une génération des, des morts, des, 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 Nous sommes devenus plus sauvages que des bêtes, que des animaux. Parce qu'un enfant qui est, qui est avorté, qui est tué, parce qu'on tue. Cet enfant là, imaginez s'il allait avoir trois, euh, quatre enfants, et chacun de ces enfants allait voir cinq, six. Imaginez vous multiplier pendant un siècle, deux siècles, ce que ça allait donner. Donc, en tuant une personne, en avortant un enfant, eh c'est plusieurs enfants qu'on a tués. C'est plusieurs oppor opportunités. Parmi ces gens, vous avez des présidents, vous avez des pasteurs, vous avez des prophètes, des apôtres, vous avez des menuisiers, vous avez des électriciens. Il y a de tout. Tous les corps de métier ont tué tout un pays, toute une nation. Parce que quand on parle des douze tribus, les douze tribus ont donné quoi Israël. Vous voyez Donc, imaginez si Lévi était avorté par sa mère. C'est tous les prêtres et les lévites qui allaient euh, qui ne pouvaient pas exister. C'est grave la destruction à cause de l'égoïsme. Alors, pendant la portion de temps que tu as, comment fonctionnes-tu? Comment fonctionnons-nous? Parce qu'on nous dit que les enfants sont, n'est-ce pas, un héritage. Vous avez vu le nombre de gens qui veulent d'abord faire le ministère alors qu'ils négligent leur, leur héritage, leurs enfants. Ils les maltraitent. Ils leur crient dessus. Ils ne dialoguent pas avec. Ils leur donnent des gifles. Un jour, je suis allé voir un, mécan un mécanicien congolais pour mon véhicule et il a donné son portable à, à, à son enfant de 9 ans pour qu'il le range quelque part. Cet enfant s'est trompé de l'endroit. Il a convoqué il a convoqué cet enfant. Il lui a donné des coups de poing. Il lui a dit va te mettre au coin là-bas, mets ta tête en bas et tes jambes en l'air. Ah, je le crée dessus. Voilà. Et vous allez être étonné que ces enfants-là deviennent des délinquants. Hein Manquent du respect à la police, insultent tout le monde, parce que les parents n'ont aussi n'ont pas le temps d'éduquer les enfants parce qu'ils veulent tellement se faire de l'argent. Vous voyez Ils veulent tellement gagner, 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 gagner parce qu'ils quittent leur pays pour venir ici. Travailler, 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 gagner, gagner, gagner. Les enfants sont des véritables délinquants à gauche, à droite, éparpillés partout, parce que les parents, ils n'ont pas le temps. Ils veulent avoir quoi Des grands diplômes. Et ils que, et il négligent néglige l'héritage que Dieu leur a confié. Et c'est grave. Je disais à mon épouse, quand elle est tombée tombé enceinte, on s'est organisé pour que ce soit nous qui gérions nos enfants. Pas aller les balancer comme ça des nounous euh, euh, dont on ne connaît pas la moralité. Donc on mangeait, euh, on était vraiment euh, on mangeait pas beaucoup, on était euh, c'était la galère, mais euh, ça porte des fruits. Quand je vois des parents, euh, maman qui fait 8 heures par jour, papa 10 heures par jour, et les enfants, bah, ils sont euh, ballottés à gauche, à droite, chez les nounous, parce que les parents n'ont pas le. Ce n'est pas étonnant que ça donne, excusez-moi, mais ça donne des monstres. Hein. Voilà. Parce que la nature nous enseigne. Il y a des animaux. Regardez dans la nature. J'aime beaucoup regarder les reportages sur les animaux. J'aime beaucoup de voir, j'apprends beaucoup. Parce que Dieu nous enseigne comme ça, par la nature aussi. Tu vois, les enfants, une euh, maman aigle, tout ça, va d'abord euh, avec son. Son, 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 avec l'aigle, son époux, ils vont d'abord bâtir leur foyer, construire leur nid, tout ça. Hein La nature nous enseigne, Paul dit dans Romains 1. Et tu vas voir que parfois les aiglons, ils sont quand même assez grands, mais l'aigle va quand même chasser pour nourrir les enfants jusqu'à un certain âge. Tu vois les léopards pareils, les lions pareils, les enfants sont grands, mais euh, je regardais un reportage il n'y a pas longtemps, une, une lionne dont les, 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 les lionceaux étaient déjà pratiquement euh, grands. Hein qui pouvait se débrouiller tout seul, mais elle était courtisée par d'autres lions, mais elle a refusé toute relation parce qu'elle estimait que ses enfants n'étaient pas assez mûrs et capables de se, de se défendre. Et euh, elle aurait pu aller avec ce, ce lion pour eux. parce que quand une lionne, quand un, un lion tombe enceinte comme ça, enfin, euh, est, est, est engrossée, et, euh, et ben, et euh, elle, 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 elle laisse les enfants automatiquement, elle chasse les, elle peut même les tuer, tu vois. Quand elle conçoit là, tac, elle devient plus violente. Donc, elle ne va pas supporter ses enfants. Et cette lionne a protégé ses enfants. Donc, elle ne voulait pas. Pourtant, je disais, mais ils sont grands. Je me disais, mais ils sont... Et c'est là que le Seigneur nous enseigne. Vous voyez, même les animaux évitent certaines, certaines choses pour, pour préserver leur famille, pour l'éducation de des enfants, pour l'équipement des enfants. Mais quand tu vois des êtres humains créés à l'image de Dieu. Hein il y en a même qui sont enceintes de leur mari, qui vont quand même les tromper avec d'autres hommes, mais c'est la confusion généralisée. Maintenant on se pose la question qui est vraiment, euh, Qui sont les bêtes? Hmm Alléluia. Tu vois, quand la mise bas là, ça va. Les animaux, les femmes elles vont là, elles vont. Voyez comment elles défendent les enfants là. Vous avez vu vous, vous approchez d'une poule qui a des poussins là, eh bien, vous allez avoir affaire. Même si vous êtes plus grand, plus dangereux, dangereux que la poule, eh ben, elle peut même mourir pour ses enfants. Hein eh bien, voilà. Voilà, être parent. La nature nous enseigne. Waouh, Seigneur. On a besoin d'être éduqués par le Seigneur. Nos grands-parents ont mieux vécu que nous. Là. La génération euh, ordinateur, tout ça, il euh, n'y a plus, plus le temps de dialoguer, de discuter avec les enfants, avec la famille, plus le temps. Voilà. Ce sont. C'est quoi, c'est l'ordinateur qui va éduquer les enfants, le portable qui va éduquer les enfants, tout ça. Et, et, et voilà, et on ne discute pas, on ne dialogue pas. Et, et puis après, on s'étonne que les enfants, tu vois, les parents qui travaillent tellement dur, ils veulent. Et la femme enceinte, la, le mari n'est pas là pour. Il pour, euh, y a tellement de choses, et les gens sont omnibulés par leur succès personnel. Voilà notre génération, l'égoïsme. fils, Mon deuxième fils est venu me confesser quelque chose et waouh, wow, il me dit je, je voulais confesser à quelqu'un à, 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 à quelqu en qui j'ai confiance. Waouh, Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, dis, mais on a une grande responsabilité pour le salut de nos familles, de nos enfants. Au moins, on a des frères, on n'a pas que finir des frères, des sœurs. Y, 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 voilà, ils sont encore, c'est encore des gros bébés. Je me dis, mais quand il va y avoir des enfants là, ça va être chaud. Après, on entend des histoires. On a pris un enfant, on l'a mis sur un balcon pendant 10 heures, parce que c'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants soi-disant. Ouais. Et quel, est le, quel, quel témoignage donnons-nous aux gens du monde Je me rappelle, je suis allé chercher mon fils Jonathan à l'école une fois, à son lycée. Il pleuvait abondamment ce, ce, ce jour-là. Et il était avec ses trois amis, ses deux amis. Ils étaient à trois. Donc je lui demande, je lui dis mais écoute, dis à tes amis qu'on peut les déposer à la gare. Il me dit non, ils ne voudront pas parce qu'ils ne veulent pas profiter des gens. Ah non, je lui dis non, là, là, là. Non. Frère, ça m'a tellement choqué. Je lui dis mais, ils sont païens. Ils sont. Athée. Oh chrétien, on a beaucoup de choses à apprendre des gens parfois que l'on qualifie d'un croyant à, grâce à l'éducation qu'ils ont reçue. Faut-il pour être sauvé Faire partie d'une église locale. Obliger ses enfants à aller à l'église Non. Les obliger à aller à l'école le dimanche Non. Ça ne sert à rien. Beaucoup de chrétiens pensent que parce que leurs enfants ne vont pas à l'église, qu'ils ne vont pas être sauvés, qu'ils ne vont pas se convertir. Mais non. Vivez la parole chez vous. Amen. C'est important. Soyons des parents modèles. Beaucoup de parents chrétiens ne vont jamais au restaurant avec leurs enfants. Je vais poser la question un jour à un frère vous allez au restaurant parfois chez nous Ah oh non, mais il y a trop de trop de statues. Je dis voilà votre problème. Vous êtes trop trop spirituel. » En fait, vous êtes des illuminés. et vous faites peur aux gens qui ne sont pas convertis. <laughs> Seigneur sauve-nous. Ben, comme vous voyez le diable partout. Ben, quittez la terre, allez sur Mars. Mais pour votre information, Mars c'est aussi le nom d'un dieu. Alors, un démon. Là, vous avez des problèmes sérieux. Hein? <laughs> Pluton, c'est un démon aussi. Hein? Les divinités gréco-romaines. Vous voyez Trop d'illumination, trop de très, très, très spirituel. Et ils ne sont plus sur Terre. Ça plane. Et après, ça retombe sur nous. Ton pasteur, là, est, il t'enseigne comme ça. Hein? C'est un gourou. <laughs> Alléluia! <laughs> oh Seigneur. Bon, on a fini, on ne va pas trop vous traumatiser. <laughs> D'accord Voilà. Qui est interpellé Que le Seigneur nous sauve. Hein voilà. Alors ce soir, quand vous allez rentrer, allez demander pardon à vos femmes, vos maris, à vos enfants. Et euh, quand on va on finir l'enseignement, là. Invitez-le au restaurant. Allez en week-end. Voilà. Amen. Vous pouvez rater le dimanche à l'église, rater même un mois, ce n'est pas un problème. Hein? Ce n'est pas pour autant que vous allez quitter le royaume de Dieu. Voilà. Allez en week -end, allez à Tunis en week-end. Et ce n'est pas un péché. Hein? Allez en vacances. Voilà. C'est important, mes amis. Que Dieu se souvienne de vous et bonne continuation. Et on se retrouve demain à partir de 18h pour la prière et puis 19h30 pour la parole. Que Dieu vous garde. Et encore euh, merci et puis euh, désolé si je vous embêtais. Que Dieu vous garde.